se rendre compte que ce film, c'est un film qui fait du bien au cœur, qui fait qu'on ressent, qui fait du bien physiquement, on ressent, et je pense que c'est de la vitamine à l'état pur. Moi, l'expérience que j'ai vécue personnelle, ça a été ça. C'est quand on te côtoie, on te fréquente, ou quand on fréquente des gens qui vivent cette expérience-là, c'est ça, c'est que ça donne une force incroyable. Ce que je retiens d'un rôle comme ça, c'est que maintenant, je sais comment faire pour garder une érection pendant 6 heures d'affilée. C'est à quoi je fais allusion. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je fais référence à une scène qui est dans le film, où quand la sexologue qui arrive avec tout son attirail pour expliquer au personnage comment il va pouvoir retrouver une sexualité quasi normale avec un sous injection, Viagra, l'appareil, je dis, Pour obtenir une éjaculation, il y a le spermospide. C'est ce qu'on appelle plus naturellement un vibrateur pénien, avec deux réglages, vitesse et intensité. Un vibromasseur. Mais je vais lui faire mal, non? Je lui mets trop. Non, mais ça ne s'introduit pas. Ça se passe comme ceci. Juste à la base du gland, en exerçant une légère pression, jusqu'à l'éjaculation. Il dort. Mais je lui expliquerai. J'apprécie beaucoup celui-là. Oui, mais c'est pas pour vous, c'est pour lui. Ce que je retiens, c'est... toutes ces rencontres, des gens incroyables, des gens dévoués, le courage des patients d'affronter une telle réalité. La difficulté par rapport à la différence, par rapport à l'indifférence et par rapport surtout à la complexité qu'on peut avoir à vivre ensemble. Mais c'est pas moi de juger ce réalisateur et au public, mais la seule chose que je sais, c'est que les gens de Vierge qui t'ont vu et qui ont vu le film, ils ont été très impressionnés. Et donc, tu es le bienvenu là-bas, comme passion. Arrête.